Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Bon bah écoutez, j'ai pas pu vous faire la vidéo hier, mais je la fais aujourd'hui. Voilà, donc déjà pour commencer, je vous laisse avec tout ce que j'ai fait pendant la semaine. Donc c'est parti, c'est maintenant. Et puis après je vous reprends pour vous montrer où j'en suis. Donc là, il y a toujours la peinture qui sèche. Donc voilà, là je vais laisser sécher jusqu'à cet après-midi et puis voilà, je vais voir. Donc voilà, là vous pouvez voir mes planches, elles sont blanches comme ça normalement. Là elles sont noires. Pourquoi?
Parce que j'ai cramé mes planches comme ça. J'ai cramé ma planche comme ça, c'est la première. C'est une technique qui s'appelle le Shusugi-ban, si je me trompe pas, technique japonaise. Donc normalement, moi je l'ai fait au chalumeau, hein, parce que c'est le plus simple et le plus sécurisé pour là où je le fais. Mais normalement, ça peut se faire en faisant cramer vraiment les planches, on les attache en triangle. Et on fait comme une cheminée, le feu s'engouffre dedans et on crame nos planches comme ça. Et ça permet de les protéger dans le temps, que les planches durent très longtemps, les protéger de l'humidité, de tout ce qui est parasite qui va bouffer le verre, tout ça, parce que vu qu'il est cramé, il est plus compact et plus dur à manger. Et donc voilà, là c'est tout noir. Si je touche, je pense que je vais mettre beaucoup de suie. Et ce qu'il faut faire, c'est brosser. Donc je vais attaquer ça tout de suite après. J'ai perdu ma perceuse. Ah, elle est à côté du trépied là-bas. Bon, ben voilà, avec ma perceuse, avec une brosse métallique. Et puis je vais brosser ça. Et puis je vous ferai un timelapse pour le dos de la planche. Voilà. Allez, à tout de suite. Deuxième étape, le brossage du bois. Dernière étape, l'huile de lin. Bon, c'est la deuxième fois que je fais la vidéo parce que ça grésillait. Donc voilà, mon châssis il est peint. Ça, vous l'avez pas vu dans la vidéo. Ceux qui sont sur Instagram l'ont vu. Voilà, là où j'ai percé aussi, j'ai repeint les trous pour pouvoir fixer mes planches. J'ai attaqué mon système de frein, là vous pouvez voir les câbles. Il me reste là à mettre mon frein manivelle où je vais tourner un peu comme sur les calèches pour serrer desserrer le frein. Et sinon c'est un peu le même principe qu'un frein à main où je vais pouvoir laisser en fait bloquer le frein en descente pour éviter de me faire pousser par la roulotte. Je vais essayer de vous montrer aussi les petites manettes là pour les freins d'urgence. Là vous devez la voir, donc récupérer sur le vélo que j'avais acheté pour récupérer les freins. Voilà. J'ai pas trop grande chose d'autre à vous montrer, voilà les planches qui sont en séchage. La première j'ai fait le dos, les autres faut que je le fasse. Celles qui sont finies, vous pouvez voir, voilà, moi j'adore ce rendu avec le bois brûlé. Et puis je vous reprends en face caméra pour vous dire au revoir. Voilà les amis, bah, la vidéo elle est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Qu'est-ce que je vais vous dire? Si, j'ai mon Instagram tout en bas de la description, vous pouvez aller checker pour ceux qui veulent me voir plus souvent, voir où j'avance, parce que sinon je ne ferai pas plus d'une vidéo par semaine, hein. Moi ça me suffit, et puis vous ça vous suffit aussi, je pense, vous n'avez pas besoin de voir mes vidéos tous les jours. Donc voilà, vous pouvez aller checker en bas, et puis sinon je vous dis à plus dans une prochaine vidéo, allez, ciao!